historiquement, la fédération de pêche qui avait des vocations à réalviner, à redéverser du poisson dans les rivières, en ce qui nous concerne, a revu sa copie et nous avons considéré que le milieu était tout à fait capable de se suffire à lui-même. De fait, nous l'avons aidé un petit peu, beaucoup même sur certains sites, et il s'avère que 5 ans après, nous faisons la constatation que le milieu est tout à fait capable de se régénérer seul et qu'aujourd'hui, la présence de carnassiers tels que le brochet notamment montre combien il est capable de le faire. Alors il a été mené des opérations relativement simples, somme toute, hein, qui sont des opérations de reconnexion des boires et ce qu'on appelle les annexes hydrauliques. Ce sont des travaux de terrassement pour enlever un certain nombre de ligneux du milieu qui sont des entraves un peu à la circulation de l'eau. Et on a reconnecté les sites de façon à ce que les poissons puissent venir y frayer. Mais quand les poissons viennent, eh bien, d'autres animaux y viennent également. Et on a un très très haut lieu de richesse au niveau de la biodiversité. La restauration des annexes hydrauliques va consister à rabaisser le plancher de la boire pour qu'il soit plus accessible et plus en communication avec soit le bras secondaire, soit le limineur de la Loire. Et cela va consister à ouvrir le milieu, donc à ôter la végétation ligneuse, pour permettre aussi l'implantation de la végétation herbacée. Alors nous sommes ici au cœur d'une annexe hydraulique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau parce que nous sommes en période estivale. Et donc, l'objectif des travaux est d'assurer une reconnexion des points bas dans le site, notamment pour assurer le transit des poissons à la remontée et à la descente. Et l'idée des travaux, c'est également que ces sites soient asséchés en période estivale pour permettre l'implantation de la végétation que l'on a sous les yeux. Cette végétation qui va être noyée lors du printemps et de l'hiver suivant et qui va servir de support de ponte, notamment aux espèces piscicoles. Dans cette annexe hydraulique, on a un certain nombre de végétaux qui sont implantés et une espèce spécifique ici, la baldingère, qui est une végétation typique des annexes hydrauliques et qui a un support de ponte assez idéal, notamment pour la reproduction du brochet. Donc là, nous sommes en train de faire une pêche de contrôle sur cette annexe hydraulique qui a été restaurée pour voir un petit peu quelles sont les espèces présentes et notamment voir si le brochet, qui est l'espèce repère de ce type de milieu, est présent. Ça bouge, il y a un énorme trou. Il y en a un. Hop, brochet. Donc là, on a capturé quand même un certain nombre de brochets de l'année. Hein. Ici, un poisson qui fait une vingtaine de centimètres. Mais on a aussi capturé d'autres espèces, de la bouvière, du gardon, du rotangle, qui est une espèce aussi intéressante dans ce type de milieu, qui est plutôt adaptée à des milieux de bonne qualité. Et puis également un poisson plus rare, que j'ai ici dans les mains, la loge de rivière, qui est une espèce assez rare dans le département, et qui est amenée à fréquenter ce type de milieu. Avant tout, et c'est le premier facteur de réussite, une forte volonté locale et donc une implication des élus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la qualité du diagnostic technique qui a été établi sur le terrain pour répondre aux enjeux. Donc ça nécessite effectivement d'avoir un technicien qui déjà définit l'opération techniquement et puis qui anime sur le terrain la mise en place des travaux. Il y a deux types de partenariats très importants. Il y a un partenariat financier, effectivement. C'est la spécificité et l'intérêt du contrat territorial. Et puis il y a aussi un partenariat réglementaire pour tout ce qui relève des aspects de police de l'eau et de déclaration d'intérêt général éventuellement. La plus grande satisfaction que nous puissions avoir, nous les élus du monde de la pêche de loisirs, c'est de montrer combien, quand on prend un problème en main, avec des techniciens, puisqu'il faut reconnaître que nos techniciens fédéraux et tous nos chargés de mission sont des gens hautement compétents, quand on a des partenariats de très grande qualité comme ceux de l'agence, du département ou de la région, y compris les associations locales qui se sont impliquées financièrement, ce n'est pas une contrainte, c'est plutôt une joie de pouvoir continuer ce type de projet.